Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 11e épisode de notre Let's Play sur Pokémon Conquest sur DS. Allez, bienvenue, j'espère que ça va pour vous. Donc, on se retrouve quelques mois in-game après l'endroit où on s'était laissé la dernière fois, puisque vous voyez que nous sommes en septembre de l'endroit, alors que la dernière fois on devait être en janvier ou en février. Après avoir donc conquis le royaume de Kraxper, dédié au type roche, et on a toujours les trois royaumes environnants à conquérir, à savoir Avia et ses spécialistes du type vol, Viperia et ses spécialistes du type poison, et Yaksha et ses spécialistes du type ténèbres. En fait, ce que j'ai surtout fait pendant les mois où je n'ai pas filmé, c'est j'ai augmenté le lien entre notre personnage principal et Evoli, parce que comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, pour avoir notre Noctali, son lien doit être de 70% ou plus à Yaksha, et à la fin du mois précédent, il était peut-être autour de 54, ce qui n'était pas génial, surtout en sachant que Yaksha nous tend quasiment les bras. Du coup, en termes de lien, je suis monté à 60%. Je voulais pas aller plus haut parce qu'il y a quand même encore des combats dans des royaumes qui peuvent avoir leur importance. Après, pour le reste, on est monté justement autour de 50 et quelques pourcents pour plus ou moins tout le monde. C'est vraiment histoire de... Comme ça. D'ailleurs, récapitulatif de l'équipe, d'ailleurs je pense que l'armée ne va plus trop changer à l'exception des évolutions. Nous avons toujours notre personnage avec Evoli, Oichi et son Draco, Ginchio et son L'Énergie, Shingen et son Rhinastock, Kenshin et son Galam, Erikyo et son Darumaru. Voilà, l'équipe représentée, et maintenant je vous propose de partir. Avant peut-être de partir en conquête, je vais entrer dans le royaume et est-ce qu'il y a une boutique de Ponigiri ici? Il y a une boutique tout court, mais j'aurais voulu une boutique de Ponigiri. Où est-ce qu'on peut avoir du Ponigiri? Est-ce qu'on peut avoir du Ponigiri à Terreira? Ouais, on peut. Parce que je voudrais justement envoyer ceux qui ne sont pas à fond prendre du Ponigiri pour être à fond, et surtout Rhinastock pour qu'il soit au moins à un niveau correct. Donc du coup, Evoli ne pourra pas y aller. Enfin, en gros, on va envoyer les trois là parce que les trois autres sont à fond. Vous trois. Donc, vous partez à Terreira, vous allez prendre du Ponigiri. Parce qu'on a quand même besoin d'énergie pour ça, donc à pouvoir partir dans vous trois. Vous allez prendre du Ponigiri. Alors on a toujours le choix entre Ponigiri normal et Ponigiri normal. Voilà, comme ça là c'est parfait. Et s'il y a puis du surprise, bon oui, on va accepter. Oh, ils se sont resservis mais rien ne s'est passé. C'est dommage. C'est dommage. En tout cas, ça va, le lien entre ceux-là a été augmenté. Alors, est-ce qu'ils peuvent revenir ou est-ce qu'il faut... Non, je peux pas. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au mois suivant. Et on va reformer notre armée pour partir en conquête à Viperia. Alors, pas de nouvelles recrues. Très bien. Donc, on va faire bouger les trois là en direction... de Kraxper. Comme ça tout le monde est à fond et on va partir en conquête. Seigneur Babou, Viperia est un royaume empoisonné, venimeux. Alors la plupart des Pokémon que nous y trouverons seront de type poison. Ça veut dire que les Pokémon de type plante ont des problèmes. Mais les Pokémon de type sol et psy devrait bien s'en sortir, c'est pour ça qu'on a Galam. Et donc, on embarque tout le monde et regardez quand même la force de notre armée qui est déjà à 1812. Après vous allez dire avec tous les combats que j'ai fait, alors tout le monde n'a pas pris part à tous les combats, je précise. C'est principalement Evoli qui était là pour justement prendre du lien. D'ailleurs sa vive attaque est passée à plus 3, donc je vous l'ai expliqué. Tous les 20% de lien, vous gagnez, votre attaque se renforce. Du coup à 60% on est à plus 3. Avant de lancer, je vous dis à votre santé. Et c'est parti pour la conquête. Et vous êtes prêts à commencer le combat contre Viperia? Oui monsieur. Et là, donc la Ginchu elle est prête à y aller. Et bien sûr l'armée de Babou est apparue dans le royaume de Nobunaga de Viperia. C'est parti. Le royaume de Viperia. Eh hey, Babou! C'est toi qui essaie d'affronter Nobunaga, hein? T'es vraiment un méchant garçon! Mais elle a l'air de parler qu'à un langage assez enfantin. Méchant? Mais nous essayons juste de sauver Hansei!
Oh, arrêtez d'être aussi stupide. Si vous n'apprenez pas à vous entendre avec les gens, je vais devoir vous punir. C'est un peu la maîtresse d'école qui est avec ses maternelles. Je la vois un peu comme ça, néné. N'ai-je pas raison, Hideyoshi? Eh, t'as raison, néné. Vous êtes Hideyoshi, Dignis? Mais vous avez l'air si différent. Vous ne vous seriez pas transformé? Eh, ça fait longtemps, Manou. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis que je t'ai laissé avoir mon château d'Ignis. Eh, comme tu peux le voir, maintenant c'est l'aîné qui doit me supporter. Et je vais te dire quelque chose qui sera différent. Cette fois, je vais te battre. Ça, c'est ce qu'on va voir. Alors, on a 15 tours, apparemment. Et donc, voilà. Comme ça, c'est encore une fois un délire de capture de drapeau. Sauf qu'il y a des mares de poison, ça et là. Et bien sûr, des trappes. Parce que poison est souvent associé aux ninjas, donc forcément, des techniques ninja. Donc, je suis quand même déçu qu'il n'y ait pas de Nost en fer. Parce qu'à ce niveau-là du jeu, je veux dire, on a quand même Rhinastock, Galam. Le moins qu'on puisse... Moi, je dirais que le minimum, ce serait qu'elle ait un Nost en fer. Mais bon. Donc, il va falloir capturer tous les trucs. Alors, il va falloir qu'on... Alors... C'est ta première fois sur ce terrain de combat, n'est-ce pas, Babou? Eh, ma vie derrière est remplie de ninjas. Tu seras surpris de voir tous les atouts qu'ils ont dans leurs manches. Bien, alors maintenant, il va falloir qu'on se crée des forces de combat, on va dire, primaires et secondaires. Parce qu'il faut aller à la chasse au drapeau. On est d'accord que celui-là, c'est eux qui l'auront parce que c'est le plus proche. Et celui-là, c'est nous qui l'aurons parce que c'est nous les plus proches. Alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser son talent de guerrier à elle pour gagner de la portée et se rapprocher plus vite des drapeaux. Donc, l'énergie, tu vas te mettre ici, ça me paraît bien. Parce que l'énergie, vu qu'il y a un Oseraptor et un Oseraldo, et vu tous les Pokémon qui est autour, un Pokémon de type électrique, ça sera pas de refus par ici. Ensuite, Galam, on aura besoin de toi. Galam, tu vas te mettre par ici. Ça paraît bien. Evoli, tu vas venir avec nous parce qu'on a besoin de liens. Tu vas t'approcher par là. Je suis en train de me dire si j'augmente... Non. Sinon, je vais gâcher le boost d'attaque. Le boost d'attaque, autant l'utiliser quand les autres arrivent. Ensuite, ce qu'on va faire... Draco, tu vas prendre une des trappes. Voilà, les trappes, quand vous attendez dessus... C'est un passage secret qui vous permet d'approcher. Darumaron, tu vas le rejoindre. Vous allez être à deux pour défendre ce truc-là. Je pense que Darumaron devrait s'en sortir. Parfait. Et Rhinastock, tu vas venir avec nous. Voilà. Premier mouvement, tranquille. Bien entendu, tous les Pokémon étant de type poison sont immunisés au poison des flaques. Et tous les autres seront empoisonnés. Ils prendront bien sûr des dégâts de poison. À chaque fois qu'ils seront sur les plaques de poison. Les flaques de poison, pardon. Donc voilà, Spiritomb prend un passage secret et arrive à côté de Draco et d'Arumaron. Ok, donc toi t'es à l'envers. Et Nosferatu se rapproche d'un poteau. Comme je l'avais dit, c'est eux qui vont prendre celui-là et nous on va prendre l'autre. Ça va être vraiment une guerre de position, presque une guerre de tranchées un peu. Pour arriver et oh salut, donc c'est à notre armée. On va placer Evoli sur le drapeau. On a comme ça, on a un drapeau. C'est quoi ton talent, toi, Shinyan? Rally. Ça peut être pas mal ça. Rhinastock, tu vas avancer. L'énergie, tu vas te mettre derrière lui. Et Galam, tu te mets derrière. Là, vous êtes à la queue. Très bien. Et maintenant, les autres, on va attaquer. Ah mais le problème va être là, c'est que si j'attaque le Spiritomb, non, je sais où je vais me mettre. Darumaron, tu vas te mettre ici pour attaquer. 22 seulement, ah, c'est vrai que Spiritomb a une super défense. Allez, t'es à fond, tu vas faire plus de dégâts. 20. Ok. Et maintenant ce qu'on va faire, ah, le problème c'est que je me mettrai bien dans... le poison pour le dégager par le passage secret, mais j'ai pas franchement envie de faire ça.
du coup, je vais me mettre comme ça, on va voir. Alors, 27,88%, 24,86%. Si je me mets là, 27,88%, je pense que c'est le mieux que je puisse obtenir. Juste par curiosité, voir si je me mets ici. 29, ouais, mais je touche Darumaron aussi en me mettant là. Donc, du coup, si je me mets ici, 29,91%. Est-ce qu'on prend le risque? Allez. De toute façon, le talent de guerrier de Rikyu peut permettre de soigner du poison. Je prends le risque. Et est-ce que ça va le faire dégager? Oui, dégage. Super. You mad, bro? Voilà, donc, on prend des dégâts de poison. Interférence. Je te hais. Ok, donc Monsieur Alto se rapproche du drapeau. Très bien. Et il revient. Moi, je te redégage hein, si tu reviens. Hein. Moi, je suis là, je te redégage. J'en ai rien à foutre. Je peux jouer à ce jeu-là toute la journée, si tu veux. Parce que je suis un vilain monsieur. Oui, je suis méchant. Alors, voilà, mettant comme ça, c'est peut-être même un peu mieux. C'est même un peu mieux. Tiens. Monsieur Arabti va prendre le drapeau, parfait. Et maintenant, il va falloir qu'on bouge les autres. Alors, Rinastok, tu vas te mettre ici. L'énergie, tu vas venir te mettre derrière Evoli. Et Galam, tu vas venir te mettre là, derrière l'énergie. Très bien. Evoli, tu vas rester ici pour l'instant. Ensuite, on va commencer par dégager une nouvelle fois Hideyoshi. Il va faire les allers-retours et il va être mort comme ça, c'est génial. Lui, s'il prend 30 à chaque fois, donc 30 plus 30 à chaque bout d'un moment, ça va finir par s'additionner. Et maintenant que ça c'est fait, on va taper le Spiriton. Allez, ça y a interférence. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. J'y crois, tu peux le faire. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Draco prend des dégâts, faut que je pense à le dégager d'ici. Enfin, sauf si Hideyoshi revient, moi auquel cas je reste là, moi ça me dérange absolument pas. Si je peux, tant que je peux le troller, je vais le troller. Ok. Alors maintenant les autres se rapprochent de nous. Alors, choc venin, ok. Coup critique sur les deux apparemment, bah dis donc. Ce que j'appelle de la moule, moi. Donc, Hideyoshi revient. Ah, cette fois-ci, il est de l'autre côté, donc ça veut dire qu'on va pouvoir bouger Draco, le sortir du poison, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est même très très bien. Ah, et Spiritum s'en va apparemment. D'accord, il va prendre l'autre bannière. Donc du coup, ouais, c'était vraiment pour faire une espèce de leurre. Très bien. Très bien, très bien. Alors, Galam, tu vas venir te mettre ici. Tu vas nous faire une coupe psycho des familles. Et tu vas me dire qu'Arbok tient la coupe psycho. Excellent. Allez, Abo, tu dégages. Chiome. Est-ce que je peux me mettre là pour le taper? Non, je peux pas. L'énergie en mettant là, je touche Galam et Evoli, ça va pas être génial. Les autres, j'ai l'impression qu'ils vont devoir rester ici. Donc ce qu'on va faire, Draco vient par ici. 66%, allez on l'attente. Nice. Et maintenant on va tenter une roue de feu. 64%, finesse. Là Hideyoshi est seul contre deux. Hein. Allez, 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 tu peux le faire, allez, tu peux le faire. Eh hey, on les touche ces attaques. Bon, là, bien sûr, il y a un brasier qui se déclenche. Et pour le reste, je crois qu'on va mettre fin à notre tour. Le but, là, c'est vraiment de dégager l'assaut qui arrive sur la bannière qui reste. Et une fois que ça, c'est fait, on devrait être... Merde, merde, le Nosferatu va pouvoir passer par au-dessus. Il va falloir qu'on se concentre vraiment sur lui. Donc, du coup, je pense que Galam... Et l'autre et l'énergie vont se focus sur lui parce que voilà, il va arriver là derrière, il va pouvoir taper Evoli. Donc je pense qu'il va falloir qu'on se mette à 3 sur lui pour le dégager. En plus, il m'empoisonne l'enfoiré. Alors, je pense qu'on va essayer. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, t'as fait un choc venin sur les 3. Evoli va prendre super cher. 85, putain. Et une potion, donc il sort de brasier.
Et il peut pas faire grand chose parce qu'il a route feu et on l'a coincé. Spiritomb se fait empoisonner, ça c'est très bien. Serapti ne bouge pas. Alors, il va falloir qu'on gère. Déjà, Evoli récupère 22 points de vie. Donc, on va commencer par passer par Rikyu. On va soigner le poison. Histoire qu'il se sente mieux. Et on va taper le chimpanfeu. Avec 91%, tu l'as réussi. Nickel. Ensuite, on passe maintenant sur Oichi. Et on utilise Sweet Song. Il y a surtout, voilà, Draco et Evoli ont pris cher. Et on va faire une Draco Cube. Allez, 29. Super. Maintenant, les deux là ont agi, très bien. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va commencer par donner un coup. Non, non, là, je vais claquer mon talent de guerrier pour que la vive attaque à plus 3 fasse super mal au Noceralto. 29. C'est déjà ça. Alors qu'avant, elle aurait peut-être fait 15 ou 20. C'est pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... on va voir combien ça fait ici. Ça fait 66. Et si je me mets là, ça fait combien? 66, 82%. Allez, on tente le coup de jus. Oh, sérieusement, tu l'as loupé. Galam, viens te mettre là et fais-nous une coupe psycho. 79, là ça va, ça passe. Super. Ensuite, on va mettre Inastok ici et on va faire de l'overkill avec un roc-boulet. Allez, tu le passes. Ah, chier, cul, couille, bite. Ok. Toi tu bouges pas, c'est normal. Donc toi tu prends la bannière, mais tu prends aussi des dégâts de poison. Tu refais des crochets venins. Il ne l'a pas empoisonné, super. Ok, donc lui se barre, très bien. Lui se met, c'est quoi, c'est de l'eau, c'est de la régène je suppose. Ouais, ouh, ça c'est de la régène de pute. Allez, dis donc. Ok, donc Spiriton, le problème Spiriton va perdre 15 points de vie, mais on va en récupérer une partie sur la bannière. Alors, comment on va faire? Qui des deux peut aller le plus loin? Darumaron, tu vas partir à l'assaut du Spiriton. Et avec Draco, on va finir Hideyoshi. Ça c'est Hideyoshi va être l'un des premiers à partir. Santé. Allez, casse-toi Hideyoshi. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va commencer par la vive attaque d'Evoli. On va voir si 14. Ça va faire 14. Très bien. On va faire un nouveau coup de jus. Avec l'énergie. Allez, 66, 82%. Tu le loupes pas celui-là, tu le loupes pas. Excellent. Nosferalto, tu dégages. Là, ça va, on a commencé à dégager l'opposition autour du drapeau. Rhinastock, tu vas prendre l'item. Donc tout, tu peux pas utiliser Broc-boulet de tour de suite. Est-ce que je peux taper l'arbre? Mais oui, on peut le taper, super. Pouf. 224. Oh, c'était obscène ces trucs. Ok, donc il récupère 17 points de vie et il en perd 15. Du poison. Enfin, je crois. Et maintenant, il reste plus que les deux à déloger des bannières. Donc, ce qu'on va faire, Evoli, tu vas venir te mettre ici pour récupérer l'objet. Et tous les autres vont suivre à la queue leu-leu. Genre Galam. Ensuite, Rhinastock. Et l'énergie. Ensuite, Draco va prendre l'objet. Pourquoi pas. Darumaron va s'approcher par ici. Et du coup, on va faire une approche double
par le passage secret que vous voyez à droite de Spiritomb, celui-là, et par Darumaron qui arrive par en dessous. C'est vrai que je montre l'écran, mais vous ne voyez pas mon écran, vous voyez juste ma tronche qui pointe comme ça dans le vent. Donc les deux ne vont pas bouger parce qu'ils doivent défendre leur drapeau. C'est ça qui est bien, c'est que les tours du côté de Nobunaga sont très rapides. Je peux plus l'utiliser, parce que ça me semblait. Bah du coup, je vais voir lequel des deux côtés fait le plus mal. 48. Et ici... 40. 48 par derrière. Parce que je suis un vilain monsieur, donc vive attaque à 48. Et limite, si la vive attaque fait 48, je laisserai bien Evoli tout faire, histoire qu'il prenne une shit tonne de liens. On va juste mettre les autres derrière pour dire, c'est bon, t'inquiète, on est là. C'est important qu'il volie chope du lien. Draco, tu prends le passage. Non, non, merde, c'est celui qui va m'amener de l'autre côté. Je me suis couré de passage, c'est pas grave. Le problème, c'est que je suis pas dans une... Je suis pas en position de le taper. Donc, je vais me rapprocher. C'est pas grave. Cruel, ça fait... 8, ça va. L'autre il bouge pas parce qu'il est sur son drapeau, logique. Donc du coup, on renvoie Draco par le passage parce que je me suis trompé. C'est ballot. Parce que celui qui doit prendre, c'est l'autre qui est dans l'endroit où on est. Evoli, tu nous fais une vivette à 40 et si je vais de l'autre côté, ça fait 48 du coup. Je vais faire ça tout le temps, ça va être rigolo. 43. Bien, 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 bien. Bah les autres, en fait, je pense que je vais les laisser faire. Je vais les laisser comme ça. Darumaron, tu vas peut-être venir là et attaquer. Limite peut-être envoyer déjà les autres vers l'autre drapeau pour laisser Evoli finir celui-là. C'est peut-être une meilleure idée. Du coup, Galam, tu vas venir te mettre ici. Oui, ce qu'il le laisse à Evoli, c'est pour ça que j'attaque pas. Et surtout qu'Evoli prendrait relativement cher, du coup Psycho à plus 2. Et l'énergie ici. Très bien. Là, il y a interférence qui va se déclencher. Du coup, Galam peut pas servir à pas à grand chose ici, puisqu'il y a un type ténèbre. C'est ballot, c'est ballot, c'est ballot. C'est ballot. Oui, c'est ballot. Bien. Du coup, il va faire ombre portée. Plus 2, ça fait combien? Quand même 23. C'est pas mal. Ok, alors Draco maintenant... Oh, tu peux pas le prendre, t'es sérieux. Tu vas te rapprocher du bon passage. Evoli, tu vas passer de l'autre côté pour le finir. 48 normalement, sur 32 restants, ça devrait aller. Super. Il a chopé son petit kill. Rien qu'il peut se déplacer encore une fois. Du coup, quand il va pas servir à grand-chose contre Spiritomb, il va garder le drapeau. Ensuite, Rhinastock va se mettre là. Une seconde, j'ai regardé quelque chose. Est-ce que je peux l'utiliser son talent? Non, c'est lui que j'ai déjà utilisé. C'est celui Kenshin que j'ai pas utilisé, je crois. Ouais, c'est celui Kenshin que j'ai pas utilisé. Allez, l'énergie, tu vas te rapprocher. Hop. Et Rhinastock, tu vas venir te mettre là. Puis Galam, tu serviras pas à grand chose, mon grand, je suis désolé. Tu vas aller chercher, tu vas même pas aller chercher lui, tu vas te mettre là. S'il reste plus qu'un type ténèbre, allez hop. On va faire une nouvelle roue de feu. Allez, 82%, tu la passes. Normalement ça passe. Oui, merde. Non, c'est pas grave, il y a les renforts qui arrivent. Les renforts arrivent. Ah, c'est Rhinastock, va falloir que je le mette loin. Il faut que je le mette de l'autre côté de la flaque de poison pour qu'il puisse taper. De toute façon, là, les renforts arrivent. Mais bon. 5 tours restants, faut que je me dépêche. Allez, Rhinastock. Non, on va commencer par faire bouger Draco. Oh, c'est bon, je te déteste. À la limite, peut-être mettre Galam derrière pour booster la portée. Alors on va tenter de taper
Allez, allez, tu la passes celle-là, tu la passes. Pas faire grand chose d'autre. Hein. Je me dépêche quand même. Bon, ça qui est bien, c'est que son tour est très rapide parce qu'il n'y a qu'un seul Pokémon. Mais on va y arriver, on va y arriver. Comme j'ai dit, les renforts sont là. Tout d'un Roumaron est en train de prendre cher. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on peut y aller en mode overkill? Je suis encore obligé de péter un tour pour le mettre en bonne position, quoi. Allez, en mettant là, ça devrait être bon, on devrait le toucher 15. Ok. Non, 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 non. Tu vas mettre là. 15. Allez. Au prochain tour, normalement, ça devrait être bon. Ça devrait être bon, ça devrait. Ok, super. Il reste 9 points de vie. Et on va mettre fin au tour. Normalement, c'est bon. Prochain tour, on peut finir le combat. Qui est vraiment en train de s'éterniser, là, j'aurais pas dire. 26 avec le poison, il va redescendre à 11. Donc il faudrait qu'une seule attaque le touche et on est bon. Ok, super. Est-ce que je peux faire mon overkill, s'il vous plaît? 38. C'est pas tant l'overkill que ça, finalement. Allez, 93% de chance, ça passe. Ça passe. Ça passe. Nickel. Et maintenant, j'ai juste à prendre le reste des bannières. Allez, bah tu sais quoi, Darumaron. Non, non. On va commencer par prendre l'item avec l'énergie. Quand même, c'est un item. Poison Block. Non, c'est bon, c'est bon. De toute façon, c'est la fin du combat. Et, non, et Darumaron capture l'ultime bannière. Ah bah, il était temps. Et voilà, nous en sommes sortis victorieux, je pense que nous avons très bien combattu. Tu as raison, Aikyu, c'était pas un combat de tout repos. Mais nous avons désormais pas mal de royaumes dans notre escarcelle. Il y a 72, encore falloir que je m'entraîne un peu en off, je pense. Ok. On a gagné pas mal d'or, c'est bien. Bon, ils sont tous partis, de toute façon on n'a vraiment plus besoin de recruter là, je pense. On arrive vraiment dans le... chez Nobunaga quoi. Oh, j'ai perdu! Désolé, je crois que je n'ai pas réussi à protéger Viperia. Je ne peux pas rembourser le seigneur Nobunaga. Même s'il nous a laissé nos royaumes après avoir perdu contre lui, je pense qu'il sera en colère. Ah, il faut qu'on retourne le voir pourtant, néné. Le seigneur Nobunaga n'est pas quelqu'un à qui tu tournes le dos. C'est le plus puissant seigneur de guerre du monde. Seigneur Nobunaga est seul qui peut m'aider à réaliser mon rêve. Ouais, je pense que t'as raison. Et Babou, je pense que t'es pas si méchant que ça au final. Fais bien, prends bien soin de Viperia, d'accord? Et voilà. Oh, 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 oh. On va avoir un Pharampe. On va avoir un Pharampe. Ah, ça c'est bon ça. Et en plus je crois que le prochain combat ça va être les types vol. Il va se faire plaisir comme un gros bâtard. Un Pharampe. Nice. Excellent. Oh oui. Daron Macho. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, l'armée devient et prend une puissance assez obscène là. Là il reste plus que Dracolos et Noctali on est au complet. Oh oui, 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 oh oui. T'as regardé cet artwork, c'est génial. Oh punaise. Oui, si t'as pas une bonne nouvelle à m'annoncer des fois. On a un Darou Macho, ça c'est bon. Oh, 2056. La puissance qui passe à 373. Oh c'est bon. Non, c'est bon, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, ça s'arrête là, ça s'arrête là. Super. Donc plus que deux qui doivent atteindre leur forme finale. Et on y est. L'armée, là, elle commence vraiment à être assez obscène en termes de puissance. J'ai regardé quand même. Ça va être
je pense que ça va être le prochain mois, le prochain combat, donc je pense qu'on va aller faire Avia d'abord, histoire de gagner encore du lien. Je montrerai peut-être le lien d'Evoli à 65, hors caméra, on est à 62, ça devrait pas être trop long. Et je pense qu'encore une fois, on fera genre... enfin, on verra bien. Dans tous les cas, on va juste passer au mois suivant, histoire de... voir un peu si on a des nouveautés dans les royaumes où on a délégué. Très bien. Oh oh. On est en train de se faire prendre un royaume là. Parce qu'on l'a laissé vide. Et bien sûr, comme il n'y avait personne, bah hey, on peut pas faire grand chose. Ce qui veut dire qu'avant de faire quoi que ce soit au prochain épisode, on va devoir reprendre Kraxper et on partira ensuite vers Avia. Et bon, si vous regardez, ils sont trois. Concrètement, on est obligé d'envoyer notre personnage et Yoichi. Et limite, je suis en train de me dire que ce serait bien de tester Pharan pour le prochain. Et Darumacho, allez, on testera les nouvelles évolutions. Donc vous voyez qu'on va y avoir un petit programme la prochaine fois. Mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je rappelle, il y a le nouveau programme à cause de Triforce Heroes. Le prochain épisode sera mardi prochain. N'oubliez pas. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de démonter la face de ce bouton j'aime pour montrer votre soutien qui fait toujours plaisir à moi, je le rappelle. Et sans plus, laissez un petit commentaire, partagez la vidéo, vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, par la chaîne autour de vous si on vous en dit tout ça, vous le savez. Et donc, en attendant la suite, on va reprendre Kraxper des griffes de Nobunaga avant d'aller péter la gueule aux gens d'Avia parce qu'ils nous ont envoyé, c'est rien que des méchants. Mais écoutez, en attendant tout ça, je vous remercie une nouvelle fois de votre soutien. Ne changez pas et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Oui.